Salut, c'est Christian pour les bibliothèques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit accessoire bien pratique. Il s'agit d'une lampe qui va se connecter via sa prise USB ou sur un chargeur mural, comme ça va être le cas pour cet essai, ou alors sur le port d'un ordinateur, comme je l'ai essayé sur mon Mac. Donc, on voit qu'elle a un fil qui est suffisamment long pour pouvoir être installée sur le bureau, alors qu'elle est branchée sur une prise murale, ce qui va être le cas là tout de suite. Donc voilà, le câble, donc noir, c'est une tête un peu comme je mets sur un tic, mon seul petit regret. On a un modèle de lampe blanche, un modèle de lampe noire, et les deux ont un câble noir. Ça aurait été sympa d'avoir un câble de la même couleur que le reste de la lampe. La télécommande sur le câble, donc qui permet d'avoir la lampe installée et la télécommande à portée de main. Donc un premier bouton qui va permettre de la mettre en route. Le bouton M va lui permettre de choisir le ton de la lumière, plus ou moins chaud. Et les boutons moins et plus qui vont permettre de sélectionner et d'ajuster la puissance de lumière dont on a besoin. Une petite LED bleue indique que la lampe est sous tension, donc que tout marche bien. On a une pince qui va nous permettre de la fixer. Donc vous voyez que cette pince est garnie de deux gros patins et on n'a vraiment aucun risque d'abîmer le meuble sur lequel la lampe est fixée. Donc son écartement est suffisant pour la fixer sur une table de salle à manger. J'ai essayé sur la mienne, hein, ça marche impeccable. On a un bon ressort là qui maintient le tout en place. Une tige qui est complètement flexible. Donc vous voyez que je peux vraiment la tordre dans tous les sens. Et enfin, élément le plus important, la lampe elle-même. Donc on note qu'elle est décorée de deux petits filets dorés. Bon, ça décore. Et donc une lampe LED. Donc je vous propose de la fixer au bureau et de vous montrer son utilisation. Donc je vais la mettre en route via, comme je vous le disais, le bouton marche. Donc là, on a une lumière qui est plutôt, hop, plutôt froide. Non, plutôt chaude, pardon. Là, on passe à une lumière froide. Non, lumière chaude, décidément. Lumière un petit peu froide et lumière vraiment très froide. Et j'ajuste la luminosité, comme on le voit avec le plus ou le moins. Donc l'avantage de cette lampe, c'est qu'elle permet, à la limite même en cas de panne de lumière, de disposer d'un éclairage via un port USB, donc via un ordinateur ou une batterie externe. On va pouvoir donc l'utiliser par exemple en nomade dans un camping-car ou peu importe. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle se fixe à n'importe quel support et surtout que je peux l'orienter vraiment comme je le souhaite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Pour ma part, je vais vous souhaiter un excellent dimanche un petit peu pluvieux. Et je vous donne rendez-vous à bientôt sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos et sur notre blog e-bibliothèque pour d'autres articles. Voilà, allez, bon dimanche, ciao, ciao!